Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, on va parler des paquets de Noël. Donc, au début, j'avais l'idée d'en faire un, puis j'ai voulu en faire six. Pourquoi six? Je ne sais pas. Et ensuite, mon copain a voulu en faire un en plus pour faire un geste. Et du coup, on en avait sept. Et résultat, avec les choses qu'on avait achetées, vu qu'on a trouvé des packs, genre par exemple trois dentifrices, etc., on a fini par faire huit paquets. Là, je vais te montrer le contenu de deux paquets. Parce que les autres sont de l'autre côté. C'est à peu près toujours le même contenu. Donc voilà. Et je te mettrai la liste juste ici. Des choses qu'il fallait mettre dedans. Donc tu peux voir que j'ai tout mis. Et voilà. Donc c'est parti. Je te montre deux paquets. Voilà. C'est tout. Donc déjà, le paquet se présente comme ça. On va tout sortir un par un. Et essayer de tout bien remettre comme mon copain a mis. Étant donné que lui est très fort à Tetris. Et que moi, je sais pas trop bien ranger les choses dans les petits espaces, mais bon, donc on va voir ce qu'il y a dedans. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Now bring us some figgy. Et là, je vais pas pouvoir tout sortir tout simplement parce que je ne sais pas du tout comment mon copain a réussi à faire tout rentrer. Mais il reste un bloc-notes, un paquet, un 18 crayons. Voilà. Un petit t-shirt gris assez grand pour que même si ça soit un petit enfant qui tombe sur ce paquet, le petit t-shirt gris lui irait quand même en tant que, on va dire, robe ou pour dormir. Et un paquet de biscuits qui ressemble à des princes M budget. Donc je vais vite essayer de tout remettre. Je suis pas sûre de réussir parce que c'était vraiment trop bien mis et là je viens de tout casser. Alors on passe au deuxième paquet. Il se présente comme ça. Et pareil que l'autre, il a toute la liste qui est contenue là-dedans, plus des petits trucs en plus. Donc déjà. C'était le contenu de deux des paquets. Tous les autres sont très semblables. Comme tu peux voir, je t'en montre que deux parce qu'il y en a trois qui sont emballés et j'ai pas envie de te montrer tous les autres. Enfin, c'est pas très intéressant. Ils sont tous à peu près semblables, mais c'est pour te donner une idée d'à peu près quoi ça représente. Les paquets, c'est des cartons que j'ai récupérés. Ils ne sont pas tous la même taille, mais le contenu est vraiment pareil. C'est juste une question de Tetris, quoi. Comment faire rentrer ça dans les paquets, je ne sais pas. Il faut demander à mon copain. Là, c'est un grand paquet, donc c'était plus facile pour moi de tout mettre. Mais c'est vrai que dans certains petits paquets, ça a été dur de tout mettre. On a quand même réussi, donc. Et je pense avoir déjà assez expliqué, étant donné que c'est une association assez simple qui agit que à Noël, on va dire. Donc voilà. Mais c'est pour te donner quelques chiffres, éventuellement t'inciter à faire aussi une bonne action. Et voilà, sache que tous ces paquets. Les prix mis ensemble, ça nous a coûté à peu près 100 francs, on va dire. J'arrondis un peu, mais à peu près 100 francs, un petit peu moins de 100 francs. Il y a 8 paquets, donc 8 enfants heureux qui n'ont tout simplement pas les moyens. Et voilà, donc on a aussi le papier cadeau, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit budget, mais il faut que parfois faire des sacrifices pour nous, pour pouvoir aider les autres qui ont moins. Donc voilà, c'est pas du tout une perte d'argent ou quelque chose qu'on a l'impression d'avoir gaspillé. Au contraire, je pense que l'argent comme ça, c'est le meilleur argent qu'on puisse partager.
Donc, je t'encourage vraiment à faire quelques économies et peut-être donner une pièce à un SDF ou lui offrir un cadeau, comme je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo. Bon, alors on se retrouve tout de suite, enfin pour moi c'est dans quelques jours, mais on se retrouve tout de suite pour emballer les cadeaux et voir un peu comment je m'y prends, parce que je suis pas très forte pour emballer les cadeaux, mais j'ai essayé de faire des trucs assez jolis, donc tout de suite. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it.